remplie dans le cimetière. Voilà, avec les hommes, les paroisses de Niel et des Aubiers. Je vais remonter la rivière, la traverser, pour prendre l'ennemi sur son flanc gauche. Toi, Texier, avec tes hommes, avec les paroisses de Saint-Aubin et de Châtillon. Vous allez remonter par le chemin là-bas, couper à travers le bois et attendre mon signal. Moi, avec mes gars et ceux de la Durbelière, on va couper à travers champs. Allez, on y va. Il n'y a pas eu le cri, là. Bah oui. Mes amis, si mon père était ici, il vous inspirerait plus de confiance. Quant à moi, je ne suis qu'un enfant. Mais par mon courage, j'espère me montrer digne de vous commander. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Vive le roi! En avant, mes amis, aux Aubiers! Ils sont un peu laissés pour compte. Je trouve que justement c'est un bon principe de faire ça, de retrouver leurs traces. Et donc ça nous permet de nous voir, de partager des joies, de partager des moments d'émotion quand on va se recueillir au pied des calvaires. Et ainsi de perpétuer la mémoire de ces géants. Mais je pense que aussi les amis du Pont-Bayard, ce n'est pas que ça, c'est aussi pour moi les guerres de Vendée n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes si on n'actualise pas leur combat. Le combat qui était le leur hier est toujours le nôtre aujourd'hui. Il faut perpétuer ce combat, il faut garder la foi de nos aïeux, malgré les difficultés qu'on traverse tous, que traverse notre pays. Il faut garder la foi et il faut continuer à se battre parce que l'ennemi d'hier est toujours le même aujourd'hui, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes Jacobins, bien sûr, qui utilisent des moyens différents, puisqu'ils profitent d'un peuple soumis. Et le jour où peut-être on relèvera la tête, peut-être qu'on aura à subir les mêmes choses. Mais donc voilà, je trouve que c'est bien, parce que ça permet de créer des réseaux d'amitié, des réseaux dissidents, des cellules de résistance pour défendre notre civilisation en grand péril. Et je trouve que déjà, rien que ça, c'est une victoire. Tous ces combats qui ont été menés il y a 2 siècles, ne sont pas vains, puisqu'on est là aujourd'hui. Il y a encore des gens en France, ici mais ailleurs dans le pays, pour ne pas participer à la fête révolutionnaire, mais pour commémorer Catherine aujourd'hui. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est une victoire. Ouais. Voilà. Bravo! 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 Bravo!